autrement dit, c'est aussi rare que Jackie Denisot au résumé vidéo. Alors, c'est lui qui va lancer ce qu'on va revivre aujourd'hui. Aujourd'hui, les pilotes vont s'élancer dans très peu de temps, maintenant dans 4 minutes. Et je crois que les bagarres vont être au rendez-vous encore, puisqu'on attend encore des belles bagarres en élite 1, en élite 2, en élite 3. Et en junior. Et en junior, bien sûr. Mais également, attention aussi, chez les nationaux, et également chez les vétérans, super vétérans, dans toutes les catégories. Je crois qu'on va assister à une très belle journée aujourd'hui. Suivez-nous tout au long de cette journée. On se concentre dès maintenant sur les juniors avec les petites cylindrées pour commencer. Thibaut Girondon monte sur le podium ce soir, même s'il a eu chaud en fin de journée avec le retour de Léo Joyon. Pourtant, le pilote de la Sherco Academy avait bien commencé la journée en prenant le deuxième temps de SP1 et 2. Mais il tient son podium pour 2 petites secondes d'avance sur le pilote Atomic Moto. Deuxième, comme hier, Antoine Alix s'est toutefois imposé sur SP6. Mais le pilote d'Affy termine à 30 secondes de la victoire. C'est presque un sans faute pour celui qui s'est révélé ces dernières semaines, notamment depuis le trèfle lausérien chez lui début juillet. Kylian Lunier fait désormais vraiment partie des top pilotes juniors. Même avec une petite chute, il s'impose et prend la tête du classement provisoire J1. En J2, même podium qu'hier avec une hiérarchie respectée. Thomas Destarac du team GP Motors est 3e après 2 minutes 30 du vainqueur. Thomas Zoldos est 2e mais a su rester plus au contact qu'hier puisqu'il termine à 20 secondes de la victoire. Guillaume Heurtier signe un doublé ici à Gacé. Le pilote Bonneton de Roux a su être opportuniste en l'absence de Pierre Dubost. Les points de Gacé seront très importants en fin de saison. Enfin, en J3, Florian Furtado monte sur le podium pour la première fois de la saison, mais accuse un retard de près d'une minute sur le vainqueur. Kylian Irigoyen, qui revient de blessure, conforte sa 2e place hier. C'est le dauphin de Juillard encore aujourd'hui. Doublé normand du pilote Roexcentric qui repart solide leader du junior E3. On passe aux élites avec les plaques noires des élites 1 et même si nous avons le même podium qu'hier, on souligne que ça s'est joué de peu entre Loïc Rombeau, qui termine 4e, et JB Nicolo, de nouveau 3e. Le pilote LM Sens a surtout laissé du temps en fin de journée, où il termine 4e des 2 derniers chronos. Juste devant, Thiel de Clercq est comme hier à 26 secondes de la gagne. Il a réalisé le 2e chrono de chacune des spéciales. Vous l'avez donc compris, c'est une journée parfaite pour Jérémy Taroux, le manager de la Sherco Academy, a pris le meilleur sur tous les chronos et il est actuellement sur 4 victoires en 4 journées. En E2, Luc Fargier a bien tenté de se faire une petite place sur le podium. Mais il lui a manqué peut-être une ou deux spéciales. Le jeune pilote qui représentera la France en junior aux prochains ISDE a réalisé une belle remontée mais doit se contenter de la médaille en chocolat pour cette fois. Il est à 6 petites secondes du vainqueur d'hier, c'est Jérémy Miroir. Il ne signe pas le doublé normand qu'on attendait. Le pilote d'Affy avait pourtant pas mal débuté la journée mais il laisse filer les secondes au fur et à mesure. Et sauve la 3e place à 45 secondes de la gagne. Et David Abgral signe de nouveau une 2e place E2 ici en Normandie. Le Breton a surtout été très régulier. Il n'a certes remporté aucune spéciale, mais n'a jamais fait moins bien que 3e. Il est ce soir à 30 secondes de la victoire. C'était une contre-perf. Hier, Hugo Blanjou s'est bien repris aujourd'hui en s'imposant avec la manière.
Il signe le deuxième temps de la première spéciale mais remporte les 8 suivantes. Le pilote Elite Moto KTM gagne certes, mais réalise une journée très solide et encourageante avant de rejoindre l'Italie à la fin du mois pour représenter la France en catégorie trophée aux prochains ISDE. Enfin, en E3, on a surtout eu une bagarre pour la troisième position. Mais finalement, Antoine Cric est cinquième malgré une belle fin de journée. Vincent Gauthier, le pilote tout enduro, est quant à lui quatrième malgré un bon dernier tour où il remporte la SP7. Il échoue à 7 secondes du podium. C'est Antoine Basset qui se hisse en troisième position. Le pilote Atomic Beta est à 36 secondes de la victoire. Il gagne une position par rapport à hier. Léo Le Quéré a fait une très très belle journée. Le pilote de la Sherco Academy remporte 3 spéciales et finit à 11 petites secondes du papa de l'enduro français. De bon augure avant de rejoindre lui aussi l'Italie en catégorie junior pour les ISDE. Nambot s'impose pour la quatrième fois de la saison mais n'a pas tellement dominé. On remarque le quatrième temps à 2 reprises sous SP3 et 7. C'est le résultat qui compte et pour ça, Nambot est toujours numéro 1. Merci à tous de nous avoir suivis sur cette étape normande du championnat de France d'Enduro 24 MX. On retrouvera les nationaux vétérans espoirs et féminines mardi dans un clip qui leur est dédié. Rendez-vous les 11 et 12 septembre à Voray pour la troisième manche. Bye bye.